Bonjour tout le monde, nous sommes les Ocarinettes et aujourd'hui on s'envole vers d'autres cieux pour aller à l'ouest. Nous allons aller dans un cimetière apparemment aujourd'hui, peut-être. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est ce qu'il a dit. Mais... donc c'est pour ça qu'il y a une flèche rouge ici. Ah non, ah, c'est là où tu... c'est parce que c'est là où t'es, t'inquiète. Ok, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Bah on va aller là du coup. En réalité, il est un peu taquin là, Rojo. Il a menti. Il a menti, carrément. Ah, et donc tu attends que je me téléporte pour. Ma Apple peut aller là ? Eh oui, elle peut aller là. Oh ! Oh, le remboursement gratuit direct ! Elle l'a mangé ou tu l'as eu ? Je comprends pas alors. Mince, comment on fait ? Ouais, tu l'as eu, ok, très bien. Plus rien d'importance maintenant que j'ai eu. Mais d'ailleurs c'est bon, du coup on peut, on a des anneaux à scanner si tu veux. Ah, je me souviendrai de toi. Salut. Oh, tu es impressionnant. Tu as oxy 1000 monstres. Prends cet anneau. Oh, l'anneau des monstres. Oh, wow. Bien, entre, bienvenue chez Vasu le joaillier. Évaluer tous les machins. Ah, tout ce qu'on a évalué. Merci. Tu vois, Apple, finalement, hein. L'argent. Je vois, ça s'appelle l'anneau lancé, porté de lancé. Oh. C'est ce type d'anneau. J'avais l'ajouté à ta liste. Que dois-je évaluer? C'est 20 rubis. Je vois, j'appelle ça l'anneau octo. Transformation en octo. C'est ce type d'anneau. Mais attends, il y a trop de trucs que je me souviens pas là, c'est incroyable. C'est 20 rubis. Je vois, j'appelle ça l'anneau P. Bombe n'explose pas si tenue. C'est ce type d'anneau. Je vais l'ajouter à ta liste. Ah, c'est gentil. Et 20 rubis. Je vois, j'appelle ça l'anneau protection. Toujours un seul cœur de dégâts. C'est ce type d'anneau. Toujours un seul cœur de dégâts. C'est quoi? C'est un dernière chance, il reste un cœur, t'es invincible. Toutes les attaques te font un dégât. Te font un cœur de dégâts. Mais c'est trop bien! Bah, mais bon, il y a des mobs qui te font moins mal, tu vois. Mais non, mais contre un boss! Ah oui, bah du coup. C'est pas un rubis. Je vois, j'appelle ça l'anneau tueur. Oh là là! C'est 1000 monstres. Mais c'est non ce type d'anneau. Je pensais que ça allait nous donner un super pouvoir pour être encore plus fort. Non, c'est justement, tu vois, c'est les anneaux type succès en fait. Bravo, t'as battu 1000 monstres, tiens, je te fais un cadeau d'anneau qui ne sert voilà, à rien. Voilà, les anneaux ne servent à rien. Voilà, il le dit lui-même de toute façon. Donc qu'est-ce que tu veux, tu vois, il n'y a pas de... Je suis serpent rouge, tu veux savoir des trucs sur les anneaux? Mais c'est pas toi pour porter un anneau. Non, faut que tu reparles à Luigi. Pour activer les anneaux, il faut aller dans la boîte à anneaux. Tu peux ouvrir le menu inventaire pour activer un anneau. Essaye, tu veux en savoir plus? Mais tu m'as gâché une graine, vas-y! Calme-toi. Les anneaux ne servent à rien. Alors, oui, mais ça, pareil, icône rang. Non, mais cet anneau ne sert à rien non plus. Mais c'est pour un truc sur la carte, ça, je l'imagine. Non, c'est un anneau pour le plaisir, en fait. C'est parce que c'est le premier anneau que tu gagnes, parce que lol. Mais c'est écrit icône rang. Non, mais ça ne veut rien dire, c'est juste... ça ne veut rien dire, cet anneau ne sert à rien. J'y crois pas. Cet anneau ne sert à rien. C'est un anneau complètement inutile. Voilà, il l'a dit, les anneaux ne servent à rien. Oh là là, je m'attendais à un truc de fou, là. Bien, entre chez Vasu. Ah, mais je l'ai peut-être pas porté en fait. Bah, je sais pas, t'as pris quoi là? L'anneau qui sert à rien? Ouais, attends. Oh, y'a rien d'écrit. Mais oui, mais cet anneau ne sert à rien. C'est un anneau pour. Pour dire bienvenue, t'as commencé le jeu. Exactement, voilà. Mais on sait jamais, icône rencontre, ça veut peut-être dire quelque chose. Oh, vas-y, ça a l'air trop bien celui-là. En plus, y'a un cœur et tout. Je suis pas sûr que cet anneau il soit si utile. Tu ne sais pas ce que tu dis. Tu... Non mais il a recommencé! Comment ça, c'est moi? Non, c'est pas le bon bouton. Quoique, peut-être je dois aller quelque part. Moi, je vais aller voir Bulbébé, mais peut-être que c'est trop tôt encore pour aller voir Bulbébé. Je crois que c'est peut-être un peu trop tôt, mais tu peux toujours aller voir. Je ne sais pas, mais... Il me semble que c'est après que t'aies fini ton donjon que ça va changer, mais... Peut-être que je me trompe, parce que il me semblait que de toute façon... Enfin, la dernière fois que j'estimais un truc, bah, je me suis trompé, donc... C'est possible. Ah, ça a ouais, pas l'air donc c'est bien changé. Après que t'aies fini ton donjon. Bon, Bulbébé, on reviendra. Promis. Alors, du coup, il y a ici, là, que tu n'as pas récupéré, et le coffre d'ici, à chaque fois, ça me frustrait. Donc, je vais le faire maintenant. Mais non, en fait, c'est à chaque saison que Bulbébé, il veut nous parler. En fait, le temps passe. On pense que les saisons changent tout le temps, mais c'est juste que le temps passe plus vite. À la fin, Link est un papy à la fin du jeu. C'est pour ça qu'il commence l'aventure en étant enfant.
Waouh, 20 rubis, génial. Ça fait plaisir. Alors. Waouh, des libellules. On n'est jamais venu ici en automne. Non, je crois pas qu'on ait fait l'automne. Bon, peut-être au début du jeu. Parce que là, en réalité, normalement, ce qu'on est censé faire, c'est aller à un endroit parce que on nous a... un NPC nous l'a dit. Mais j'ai bien une idée de ce que je peux faire, effectivement. Mais je voulais revisiter un peu pour voir s'il y avait des trucs, des indices ici. Mais j'avais envie d'aller à Subrosia, à vrai dire. Je crois qu'il y a un portail pour Subrosia ici. Voilà, très bien. Mais j'y vais là-bas probablement pour rien, mais voilà, c'est par rapport à eux. C'est vous. Je commence à m'habituer à la vie ici. C'est vous qui allez nous aider maintenant, j'imagine. Il va bien. Ce type est très imprudent. Voilà, tu veux montrer tes machins, là. Oh là, rien, laisse tomber. On sait même pas ce qu'il faut faire. Il l'avait fait qu'une fois? Deux fois. Oh, j'ai déjà oublié. T'inquiète, c'est 2x3, 1x2, 2x1 et 3x4. Là, c'est... Tu m'as perdu! J'ai encore plus oublié ce que j'avais retenu! Voilà, et ça sert toujours à rien. Donc. Et ça sert toujours à rien. Mais c'est parce que c'est pas ici qu'il faut le faire. Ah, ok. Merci pour le spoil. Non, je rigole. C'est pas maintenant, voilà. Non. Je me corrige, voilà, c'est bon. Ah, mais peut-être qu'en fait, il n'y avait pas un bateau pas loin. Et on pouvait rien faire. À moins qu'en fait, il est à la surface, le bateau. Je suis à la mauvaise il plage. Il est les deux, il est aux deux, en fait. Enfin, il est à la fois... Ici. Il est à la fois ici et à la fois... Sur... Bah, il est là, le cimetière de l'Ouest. Mais en fait, le bateau est à la fois à Subrosia et à la fois à Holodrum. Parce qu'on était venu si vite. Oh, c'est un spectre. Ah, la proue du bateau est dans le désert, ça veut dire. Ça veut dire. Ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que je vais visiter l'autre monde. Ne vous inquiétez pas, on va vous aider. Peut-être. Mais j'ai pas besoin d'aide, je t'ai pas demandé de l'aide encore. Mais si, bientôt. De toute façon, c'est obligé que ce soit à leur tour. Attends, on n'est jamais allé ici. Ah, voilà, une plage à droite. Il est vraiment jamais allé, me semble aussi. Si, on y allait. Si, on y allait déjà. Oh, regarde, 4 piliers. C'est peut-être là. Je vais revoir mes potes et réparer le bateau. Mais le capitaine a dit, ne revenez que si vous avez la cloche. Quelqu'un veut ma place? On n'a pas de cloche. On n'a pas de cloche. Quel dommage. C'est mon phonographe, faut que je donne à quelqu'un pour avoir une cloche. Non, c'est... non, la quête des échanges est terminée. C'est bon. Il n'y a plus de... Ah, il veut pas me laisser faire tchakou, tchakou. Là-dessus. Oh non. Qui va me donner une cloche? Une cloche. Est-ce que quelqu'un a terminé quelque chose et va me donner une cloche? Moi, je sais où je peux avoir une cloche. Dans Link's Awakening. Il y a dans Link Between Worlds aussi, il y a une cloche. Impa! Ah, parce que tu crois que moi je vais faire un truc? Un désert? Je sais que le désert c'est à Massa et à l'est de la ville. Fais attention à toi. Non mais j'ai compris, mais il me faut une cloche! D'ailleurs, on est d'accord que là on est en train de me troller en me disant d'aller dans le désert à l'est, alors que l'arbre il m'a dit d'aller dans le cimetière à l'ouest. Non mais faut pas écouter l'arbre, l'arbre il sert si, à rien. Si je vais voir l'arbre, il va me dire quoi? D'aller à l'ouest? Mais il va dire toujours la même chose. Ah oh, oui! Les saisons, elles changent. Si vous alliez à l'ouest, ce serait sympa. Mais si je peux faire un meilleur arbre mojo que l'arbre mojo lui-même. Bah écoute, oui. Le capitaine des pirates, peut-être qu'il faudrait lui parler. Ah mince, j'ai oublié le plus important. J'ai hésité à lui parler en plus. Non mais l'arbre mojo, il ne sert à rien, c'est incroyable. C'est pas l'arbre mojo, c'est pour ça. Salut capitaine, il faut une cloche. Bande d'imbéciles, y'a personne qui peut trouver ma cloche, toi. Je peux voir dans tes yeux, t'es un véritable aventurier. Ok, va la chercher, trouve ma cloche, j'attends. Mais il me dit rien du tout. Oui, mais en fait, ce qu'il voulait, c'est maintenant... Attends, il faut que j'aille dans le bateau, là. Maintenant, il veut bien que tu cherches la cloche pour lui. Ah, et donc le petit squelette, il va me dire, ok, let's go.
Exactement. Tu fais partie de leur crew maintenant. Trop bien, on est des pirates. Et c'est pour ça, en fait, avant, précédemment, on lui avait déjà parlé, il a dit « Ah, t'es pas encore un aventurier, t'as pas été dans des ruines. » Mais maintenant, t'as été dans des ruines, c'est ok, tu vois. J'avais complètement oublié ça. On est copains pirates, maintenant, c'est sympa, tu vois. T'es presque un squelette, après tout. Il y a que les squelettes qui vont dans les ruines. C'est vrai, hein. Oh là là, l'Octorok, j'ai cru qu'il allait m'avoir. Bon, j'espère qu'il fallait pas aller dans le bateau, mais... J'espère qu'il fallait pas aller dans le bateau. Normalement, non, je crois pas. Tu t'occupes de la cloche ? Moi, je rentre, t'es trop cool. Ok, let's go. Donc maintenant... Oh, j'ai cru que j'avais raté. Ouais, j'ai cru que t'en avais fait entre guillemets un de trop sans faire exprès, mais en fait, non, tout va bien. Oh, des cactus! Oh, des livers! Et voilà, oh, bienvenue! Un cookie! Et voilà, bienvenue dans le désert, c'est bon. Oh bah dis donc, les livers là, oh, c'est pas mal aussi pour farmer. Notre petite sorcière préférée. C'est clair. Ah bah voilà, on parle de ça. On parle de sorcière, ça y est, c'est bon, ils sont là en mode... Attends, mais il y a vraiment que ça? Vous m'avez appelé là quand même. C'est vraiment juste une salle avec des like et rien d'autre. Et c'est pour rappeler les ruines, tu vois. Mais je veux un cadeau secret là, donnez-moi quelque chose. Ça c'est bizarre, non? C'est pas bizarre? Je suis déçu. Mais je crois que là le concept en fait c'est que tu viens là en fait si jamais tu tombes dans le sable à gauche, je crois. Oh. Aïe, quoi? Mais qu'est-ce qui me fait mal? C'est le cactus. Mais pourquoi le cactus il fait mal? Je suis pas dessus. Parce que le cactus il est méchant. On tombe direct. Ah bah non, mince. Ok, non, c'est pas ça. Très bien, je croyais que, mais en fait, pas du tout. Tu y crois si je te dis que on va perdre notre potion maintenant? Ah non, là c'est bon. Ah ouais, non, lui, ok, il est ok. Non, mais t'inquiète, j'ai... Oui, bah après, c'est parce que peut-être que vous avez mis un anneau qui vous fait perdre un cœur à chaque coup que vous prenez, peut-être aussi. Attends, tu veux dire que ça me faisait pas aussi mal, normalement? Bah non, je pense pas. Peut-être pas mettre ça, du coup. Il n'y a pas besoin de frapper les cactus. Mais je frappe pas les cactus, je frappe ça. Ouais, ça va, ils sont généreux, les livers, en vrai. Toujours. Oh. En même temps, un livers, c'est bien plus sympathique qu'un pi-hate. On va pas y passer la journée. Alors, du coup, le désert, blablabla. Trop bien. Il va falloir trouver le bon trou, c'est ça? Exactement. Moi, je sais plus s'il faut trouver le bon trou, mais... Oh! Heureusement que vous avez vos superbes palmes. Grâce à ça, vous pouvez... Ah! Je vois. C'est juste une fontaine d'effets, très bien. Bah, elles ont raison. Bon, après, c'est plus sympa, tu vois. Ce sont des fées du désert. Est-ce que celui-là, il est plus louche que les autres? Non, c'est celui auquel je suis déjà tombé, je crois. Il me semble qu'effectivement. Faut que j'en trouve un qui me semble louche. Genre lui, là. Ouais, il est pas mal, celui-là, je pense. Peut-être un jour, on ira chercher nos graines aussi. Non, ma patte. Oh, yes. Oh oui, bon d'accord, c'était... J'ai trouvé le bon trou! Quand je cherchais dans le désert la cloche, j'ai été pris dans une tempête de sable et je me suis réveillé comme ça. Je ne veux pas aller au paradis maintenant. Aide-moi à trouver cette cloche. Mon crâne se balade dans le désert. Il faut d'abord le trouver. Moi, j'ai trouvé plein de crânes dans un trou, c'est ça? Parce que sinon, ce serait facile. On va tomber dans les trous. Bah, vous êtes différent, vous. Vous allez me frapper? Non, peut-être tout de suite. Salutations, comme tu es là, achète un truc. Un écu pour 100 rubis. Mais j'ai pas déjà un écu? Si, si. Va-t'en. Oui, mais qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? Oh, c'est trop louche ici. Oh, un trou sympathique. Oh, j'avoue, le pauvre, il est mort. Non, pas encore, il a dit. Ouais, pas encore. Il veut pas aller encore au paradis, donc pour le moment, il a juste perdu son crâne, c'est bon.
Oh bah non, j'ai pas besoin d'objets pour ça. Ouais, non. Ah, ici ça tue les chip-chip. Pour faire apparaître ma peule, bien sûr. Bien sûr. C'est pour récupérer une potion au cas où. Ouais, j'avoue, on a même pas obtenu la anneau de ma peule. Mais oui, je suis déçu. On avait gagné plein d'anneaux sur ma peule et mais elle n'a même pas donné le sien. Je m'attendais à avoir le sien, mais... Parce que oui, ma peule a un anneau. Oh non, c'est pas là-dedans. Voici l'anneau de ma peule, ok. Quoi? Tout ça pour un anneau? Mais même pas le bon. Oh ah. Il est là, en fait. Je t'attendais, mon gars. Allons trouver cette cloche, elle. Prends-moi avec toi, je te dirai. Si nous sommes prêts de quelque chose. Je prends la cloche, elle. Ah. Faut qu'on trouve la cloche, elle, là. Non, y a rien ici. Non, y a rien ici. Maintenant, si je tombe... D'accord. Si je me fais... Il a déjà poussé ? Oui, oui, bah en fait, ça dépend du nombre de... Ennemis battus. Prends-moi et je te dirai si nous sommes capables de quelque chose. Donc là, c'est même pas si je tombe dans un trou, c'est dès que je me fais toucher. Ouais, la tempête de sable est très efficace. Hein. Mais c'est abusé, les livers, ils m'apparaissent dessus. Bon. Bien qu'en faut y aller, j'y vais. Non, peut-être vraiment que je tombe dans un trou avec lui. Est-ce que tu te souviens? Il vient de faire un truc très bizarre. Eh ben voilà. C'est bien ça, y a pas de doute. Mais c'était pas comme ça avant. Vous obtenez la cloche. Elle est rouillée. C'est la cloche du capitaine. Mais j'espère qu'elle n'est pas trop rouillée. Je vais pouvoir aller au paradis maintenant. C'est à toi de faire la suite. Eh bien la suite sera dans la prochaine partie. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui avec notre super cloche qui était difficile à trouver. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la prochaine partie où on ramènera la cloche. Au revoir tout le monde.